Cet épisode de Hat in Time vous est garanti sans montage depuis 1987. Hey, salut toi, c'est Ludek. Et aujourd'hui, je continue A Hat in Time. L'épisode 3, c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Elle n'a pas chapeau. C'est incroyable. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'on entend en fond, une sorte de wouch 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 wouch? C'est tout simplement Capi qui est là-bas. Et oui, car il y a des modes. Et je viens de... J'ai pris ce mode-là. Et c'est pour ça que j'ai ces deux chapeaux magnifiques. Et aussi quelques badges, hein, comme ceci-là. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Ce sont trois badges qui sont des modes. Donc, par où est-ce que je commence à expliquer tout ce que j'ai trouvé? Je vais aller dans un niveau, je vais commencer à expliquer comme ça, sur le tas. Quel niveau? Coffre-fort doré. C'est quoi? Acte 6. J'en ai besoin. Oh! Ça chauffe à Mafiaville. Ah! Alors, oui. Il faut que je le dise, déjà pourquoi il y a de la lave, mais aussi il faut que je le dise, j'ai pris aussi un mode qui met le jeu en français, pas intégralement, hein. Il y a un gars qui fait de la traduction tout seul, c'est un fan, et donc il avance petit à petit, c'est pour ça que moi j'utilise le mode, et ça aidera ceux qui ne parlent pas, qui ont du mal à lire l'anglais. Donc, les personnages continuent à parler en anglais, mais au moins certains du texte ne sera pas. Terrible. Ah bah tiens, bah voilà, ça c'est là, ce n'est pas traduit. Someone turn on all faucets in Mafia Town. Same faucets that control the town volcano. Was it you, child? No? Mafia think he saw a little girl turn on all faucets. Little hat kid, can you save Mafia Town by turning off all faucets? If you close all, maybe water start flowing again. Ok. Alors, il y a des petites flammes. Oh no, yikes. D'accord, ok. Toujours des remixes, c'est vachement intéressant. Donc, ces modes. Aïe. Ces modes, je le compte... Ok, le toit glisse. Ces modes, je ne compte pas forcément les utiliser directement. Sachant que avoir Capi, c'est bien, mais Capi est un chapeau quand même assez utile. Et le fait d'avoir les chapeaux dès le début... j'ai pas forcément envie de le garder parce que si... Enfin, je les aurais pas gagnés. Je vais vous laisser dans les commentaires décider de quel sera le prix pour que j'ai le droit de les utiliser. Pour l'instant, là, je vais juste vous faire une démonstration. Pour savoir, vous choisirez... ça peut être soit avoir un certain nombre de sabliers ou alors avoir un certain nombre de petits machins verts comme ça. Ou alors compléter des challenges, des défis. Par exemple, comme compléter le challenge de celui-ci ou celui-ci. Alors ça, ce badge-là fait en sorte que le monde, tout le niveau, tout l'univers se déplace 3 fois plus vite que la vitesse normale, sauf moi. Et moi, je me déplace normalement. Donc c'est vachement dur. Et celui-là aussi, c'est très dur. En fait, il y a un fantôme qui me poursuit, mais genre poursuit vraiment vite. Hein. Et s'il me touche, je prends des dégâts et je peux aussi régler combien de dégâts. Donc de 1 à 4. Donc selon vous, est-ce que je dois compléter un challenge pour pouvoir utiliser l'un de ces chapeaux, ou alors je dois atteindre un certain nombre de sabliers, ou alors un nombre de... ça s'appelle des pawns, pawns. Et si j'arrive à en compléter assez, je dois l'utiliser. Donc maintenant on va passer pour la petite démonstration. Capi, bah Capi, voilà, Capi c'est Capi, on va pas se poser des milliards de questions. Oula. Et puis je me rate pour l'utiliser. Voilà, c'est Capi. Et le deuxième, qui est absolument abusé ce chapeau, je trouve. Voilà. Je peux... totalement, quasiment voler. C'est... voilà, et le temps est écoulé. Donc, évidemment, si j'utilise... ce chapeau étant quand même assez pété, si j'utilise durant mon let's play, je me tiendrai seulement à faire qu'un saut simple, c'est-à-dire juste sauter comme... faire juste un saut comme ça. Pas de double saut. Et une fois que j'atterris, je l'éteins. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus équilibré. Et donc voilà, bah, démonstration terminé. Je les réutiliserai quand vous m'aurez donné. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour les avoir? Une relique, ces trucs inconnus devraient vous croiser avec d'autres. Ça a l'air d'être un dessous de gâteau.
pourquoi il me montre. Ouais. Oula, chaud. Chaud, c'est le cas de dire. Est-ce que je peux atteindre là-bas? Je pense. Non. Ah bah ok, mais je peux prendre des dégâts. Où est-ce que... Ok. Il y a une flamme ici. Aïe. Faut que j'arrive à atteindre là-haut. Donc je vais préciser que cet épisode risque d'être long. Sauf qu'il faudra déjà que j'arrive à monter. Un parasol là-bas. Tac. Ok. Ah, il y a encore de l'eau ici. Alors moi j'aimerais atteindre l'endroit où se trouve lui. Parce que c'est le gars qui vend des badges et ça m'intéresserait de voir si je peux en acheter un. Hop là. Bonjour. Not everything I sell is of value. I also sell terrible badges. And yet, people buy them anyway. Hein. Maintiens PLH X pour lancer un rayon d'énergie, ça c'est cool. Et bouge tes oreilles, tu n'entends plus que des marmonnements. Ok. Donc moi ce que je vais voir c'est celui-ci. Donc il me faut, ouais, il me faut 300. 300 pons. Bon. C'est grippé ONS. Le premier est là. Boing. Hop là. Oh. Calme-toi. Ça lag un peu. Hop là. Alors ça, le fait que je rebondisse facilement sur les ennemis, c'est l'effet du badge là, du premier badge modé que j'ai pris, qui fait que je ne peux plus téléguider mes attaques sur les ennemis comme je faisais avant. Mais hop là. Mais j'arrive à rebondir très facilement sur leur tête, ce qui est quand même vachement pratique. J'ai failli mourir. Alors il y en a un, il y a un gars de la mafia qui m'a fait un signe là-bas. Qu'est-il ? Ah non, mais il y a un coffre. Ah. Ok, un autre truc. Wow. Ça envoie vachement haut ce truc. Ok, d'accord, je peux pas le tuer. Le mec se baigne dans la lave carrément et il brûle pas, d'accord. Ok. Alors. Je sais pas du tout où je vais en fait actuellement. Enfin si, j'essaie de suivre les espèces de petites icônes de flammes. Mais il est là lui maintenant. Allez, je vais juste le tuer pour avoir de l'argent. Hop là. Ouf, Janou failli me brûler. Donc, elle est où la vanne que je cherchais là? Celle-ci. Ouais, je sais pas si ce truc aurait pu me toucher ou alors si c'était purement visuel. En tout cas, j'ai eu chaud. Y'a quoi là-dedans? Je peux pas y rentrer, d'accord. Ça résout le problème. Attendez, là il y a... Ça brille. Comment s'appelle? Une pelote. Ah oui, j'ai oublié de dire. L'autre manière de décider comment je débloque les chapeaux, ce sera de me dire s'il faut que je ramasse un certain nombre de pelotes. Hop, si je débloque un certain nombre de pelotes. Donc pour l'instant des pelotes j'en ai 2. Et donc voilà, vous pouvez me dire comme là ce chapeau il faut le débloquer en ayant 4. Et vous pouvez me dire genre il faut tant de pelotes pour l'avoir. Sachant que au niveau de la difficulté à obtenir les chapeaux, je préférerais que le chapeau astronaute soit plus dur à avoir que le chapeau que Capi. Parce que le chapeau d'astronaute est quand même autrement plus pété.
même si évidemment je ne l'utiliserai sûrement moins. Après, si vous avez envie que je l'utilise à son potentiel maximum, vous me le dites aussi, hein. J'ai rien contre le fait de ça. Là. Hop là. Hop. Alors là, si vous vous demandez peut-être pourquoi, comment j'ai fait pour savoir qu'il y en avait une là d'un seul coup sans aucune raison, et bien là c'est parce que à un moment j'avais fait venir ma copine chez moi et quand elle y a joué, et bien elle a trouvé directement en se promenant cet endroit là et donc ça m'a spoilé. Voilà, je la remercie pour cet indice. Ah. Mais je fais n'importe quoi. Oh, une sorte d'anneau qui vole. Ah, trouvé. Et genre, c'est-à-dire que si je tombe sur le devant comme ça. Ok, c'est fait. Problème résolu, et devant. Hop. J'ai bientôt 300 pawns. Une autre pelote. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une plateforme. Ouais, mais je... Il y a un symbole de glace dessus. Ah. À tous les coups, il va me falloir une sorte de chapeau de glace. Ou quelque chose du genre. Est-ce que je pourrais essayer... Hop. Mais... Ah. Je suis mauvais. Hop. Yes. À combien de pelote je suis? Ah ah. Voyons. Mmh. Chapeau alchimique, prépare des mélanges étonnants. Non, détonnants. Mmh. Appuie sur Left Trigger pour jeter une fiole explosive. Voyons. Intéressant. Est-ce que je peux détruire ces trucs avec? Oui, ça marche. Ah, donc je sais quoi faire avec maintenant. Il me faut ce chapeau. J'en aurai bientôt assez. Bam. Ça ne sert à rien. Ouais. Oh non, j'ai compris la blague. Oh mon dieu. Ceux qui ont compris la blague, bravo à vous. Hein. C'est pas resté longtemps à l'écran. Ah, 98. 1. Il n'y a rien là. Une autre pelote. Il y a une autre pelote. Une pelote. C'est bon, j'ai assez. Comment est-ce que je vais faire pour atteindre cet endroit-là? Ah, c'est joué à peu. Bon, j'ai pas de temps à perdre. Aïe, ça brûle. Je sais pas, c'est un petit peu saccadé, parfois la caméra. Je suis désolé pour ça. Boum. J'arrive pas à sauter sur le ballon. La perspective, j'ai un peu de mal sur ce jeu-là. À un certain moment. Et je tourne en rond depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'il fait? J'arrive pas à voir ce qu'il y a sur sa table. Bon, il faut aller là-bas. Ah, et bah voilà, un robinet.
Comment je suis censé... Ah, il y a un fil là-bas. Hop. Ok, c'est là-bas. Il va falloir que je touche ce ballon. Voilà. J'arrive pas à contrôler. Voilà. C'est passé. Bam. Ok, ça tue pas les gens, c'est dommage. Alors, il va falloir que j'atterrisse là-dessus. Oh, réussi. Ça c'est fait. Il en reste... Oh, il en reste encore plein. J'avais toujours pas croisé le vendeur de badge. Oh, je lui ai rebondi dessus en l'air. Hop. Ah bah il est juste là le robinet. Comment je fais pour pas le voir? Hop. Et de 1. Et de 2. Et c'est... La musique a changé. Une pelote. Ouh, c'est passé. Il y a une autre pelote là-bas. Attends, non. C'est un objet. Hop là. Toi, et toi. Est-ce que j'essaie de choper ce truc? Est-ce que je peux atterrir là-dessus? Oui, je peux. Qu'est-ce que c'est? Badge photo, appuie sur Bank pour prendre une photo de ton réel. C'est équipé à tout moment, un menu start. Sur Back. Allez, c'est pour changer les chapeaux. Back. Et bouton pause. Back. Qu'est-ce que le jeu appelle Back? J'ai aucune idée de ce que le jeu appelle back. Je vais juste reprendre mon badge comme ça. Ça risque d'être un peu chaud là pour revenir. Oh, à un moment j'ai cru que j'allais pouvoir le faire. Ça va, il y a de la vie un peu partout. Aïe aïe aïe. C'est chaud. Ces plateformes de glace un peu partout là. J'ai l'impression de ne plus être contre la mafia. Un coffre. Encore une pelote. J'en ai plein. Boom. Ah bah oui, le gars, il est là. Welcome, young one. Donne-moi ça. C'est long. Merci. Et j'ai plus de quoi acheter le reste. Voyons. What? Ah ouais, waouh, carrément. Ah oui, c'est violent. Je vais me concentrer sur celui-ci pour l'instant. J'aurais besoin de vie. J'avais vu de la vie à ce moment. Oh, là. Ça m'intéresse. Voilà, bon, ça a rempli ce que je voulais. Je vais aller sur celui-ci. Voilà. Ah, stop, j'ai vu une pelote. Je pars faire n'importe quoi. J'aime bien les jeux où en fait on fait n'importe quoi. Ah ok, c'est celle que j'ai pas réussi à prendre la dernière fois. Ouh, mais d'ici je pense pouvoir l'avoir. Oui, je l'ai eu.
Je vais aller vers cette flamme là qui est dans moi. Si j'arrive à y aller. Là. Je pense qu'il y aurait pu avoir une mission plus adaptée pour aller récupérer tous ces trucs. C'est une pelote. Il me la faut. Ok, je ne peux pas la prendre. Ah c'est con, voilà, il y a vraiment une mission où j'aurais. Une meilleure mission où j'aurais pu le faire. Ok, il n'y a pas de. C'est pas un truc que je peux casser. Oula, mais c'est loin. C'est très loin tout ça. Je vais essayer d'atterrir sur l'arbre en dessous. Okay. Ah, de la vie, merci. Ça descend. Qu'est-ce qu'il y a à dire lui? Mafia say, keep eye out for tunnel. Maybe something interesting up here late. Ha! Mafia just kidding. Nothing interesting ever happened here. Dommage pour toi, mec. Non, ok, je vais pas le péter. Là-bas. J'aime bien en fait quand un niveau, en fait, que ce soit dans ce jeu-là ou dans d'autres, quand un niveau a sa propre identité et que ça, qu'on sent que c'est la propre identité du niveau. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Par exemple, là avec la musique. D'accord. Donc ouais, le jeu est partiellement traduit du coup. Donc parfois ça sera traduit, parfois pas. Hop. Quoi? J'ai peur. Ah, ah. Hop. Mais, fais-moi ça. Jeton bonus. Merci. Alors, oh non, mais je peux me mettre ici. Voilà. Ok, il en reste combien? Il en reste qu'un seul. C'est cool, le niveau est presque fini. Voilà. Ah, oh, ouch, 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 ouch. Ok, ça va. Chaud devant, j'arrive. Ah, quelle énorme blague. Ça me paraît dangereux, mais c'est un chemin qui me paraît acceptable. Ok. Je sais pas si à un moment il y aura un truc. Ah ah! Qu'est-ce que c'est? Ah, une relique. Est-ce que je peux me jeter dedans? Ah non, ok, ça marche pas. C'est fait. Ce niveau était long, mais au moins j'aurais pu finir. Ah non, ok, non, c'est tout en haut de... Ah, c'est tout en haut de ce phare. Ah. Il est utilisable ce canon? Non, dommage. Ouh, j'ai trouvé quelque chose là. Attendez, une sorte de grosse bulle avec plein de pentes dedans. Yeah! Y'a quoi là-dedans? Absolument rien. Qu'est-ce que tu veux toi? Je peux rien faire. Boum! Ça passe pété. Faut que j'arrive à aller en haut de la mafia. Oh, attendez. Ok, y a rien du tout ici. Hop. Quand je pense que la dernière fois, ah, oh. C'est une pelote.
Alors, je pense que la dernière fois, enfin dans le niveau précédent, dans la mission précédente, donc la première mission que j'avais fait dans l'épisode juste avant, que j'avais d'ailleurs j'ai appelé C'en est fini de la mafia, mais en fait non, du coup vu que la mafia est encore là, j'avais appelé comme ça parce que du coup j'ai battu le boss. Ok. Ah oui, c'est la pelote que j'ai fait tomber dans la lave, comme un idiot. Et du coup, je viens d'oublier ce que j'étais en train de dire. Bravo, merci moi. Ah, je crois savoir par où je peux passer. Attendez. Ah. Je pense que le prochain live sur la chaîne, je le ferai sur ce jeu. Alors, voilà, c'était le dôme. Il y a encore le bouton. Non, le bouton, il est plus là. Mais je crois que je pourrais monter par là-bas. Je pense que je pourrais monter. Si j'arrive à atteindre un point assez élevé. Merci. Hop. Le phare. Il est là-bas. Raté. Enfin, ce chemin là-bas. Mais comment est-ce que je vais pouvoir l'atteindre? Vous voulez dire qu'il faudrait que je passe par là-bas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Faudrait que j'arrive là-bas. Et je tente. Ah, raté. Mais je suis quand même atterri. Ça m'a... Ah si, oui, c'est le bon chemin. D'atterrir en douceur. Et... Voilà. Problème résolu. Ah d'accord, oui, les lois de la physique, non, ça n'existe pas. La lave, ça se transforme en eau directement. Pourquoi pas, hein. Boing. Alors. Les ballons. Ok. Ah. Donnez-moi ça. Ah, on peut rebondir plus haut encore. Donnez-moi ces ponts. Ces ponts. Hop. Donc le canon, je pense que c'est mon objectif, hein. À tous les coups. Ah, ça n'a pas marché. Le canon, je vais l'attendre. À tous les coups, cette pelote, c'est celle que j'avais... La pelote que j'ai vu briller là-bas. Oula, merci la caméra. Ouais, la pelote que j'ai vu briller, à tous les coups, c'est celle que j'ai fait tomber et que du coup, je peux pas récupérer. Ah non. Genre juste là, posé ici. Mais... Et moi je tombe comme un idiot. Bravo moi. Je ne sais pas jouer. Voilà. Je vais juste redescendre correctement comme il faut. Comme... Ça. Merci. Ce qui me fait un total de 5 pelotes. Ah parce que oui, ça m'a consommé les 4 lorsque j'ai fait le chapeau, bien.
did it! Small child saved Mafia Town! Now Mafia no longer need to eat lava for breakfast. Oh, please, take this as trophy. You are truly the hero of Mafia Town! D'accord, et donc je casse. Ok, non, j'active. Ça se tient, ça se tient. Et le mec, il fait quoi là-bas? Il vole? Ok, je croyais qu'on avait l'impression qu'il essayait de voler. Et ça fait un seul, quoi. Le premier truc que je collecte de tout l'épisode, c'est ça. Ça en fait qu'un seul, hein, ce rythme-là, on va pas vite, hein. Je sais que dans le jeu de base, il y en a 40. Oui, il y en a 40 oh, un intrus. Il y a 40 sabliers au total. Et qu'il en faut un peu plus d'une vingtaine. Il en faut environ une vingtaine, je crois, pour finir juste le jeu, l'aventure principale. C'est ce que je ferais. Je crois pas que je ferais un 100%. Comme ça, je pourrais aussi profiter un peu du jeu de mon côté. What a lovely spaceship you have here. Sorry for the break and entering. I just really wanted to see what an alien spaceship is like. You know, I expected aliens to be more green and probably with a thirst for flesh. But I guess you aliens come in all shapes and sizes, huh? Hey, if you're looking to explore our planet, you'll need to understand it first. Otherwise, you won't know if you're stepping on grass or quicksand. Don't know how to identify relics? Fear not. Cook Kincaid is here. Chaque cuisinier, c'est tout nul. Ah bah j'avais le morceau du bas. You can identify this relic at the podium. If you place them on the podium in the correct order, you might be able to make sense of it. If you're able to identify a relic, something great might happen. You never know. So keep an eye out for relics. I've taught you everything I know about relics. Ok, merci. Ah ok, c'est ça, je me demandais, il est où le piédestal en question? Repair. Ah bon bah, ok, bah j'ai perdu des pawns. Donc, ça, je le mets avec ça. Et j'obtiens un burger. Ton corps, tu as identifié une relique de cette étrange planète. Incroyable, c'est un burger. Et j'en fais quoi? Et, il y a un machin violet, enfin violet, hein. Confort terrien. Mes recherches ont conclu que... Ok, je me suis dit merci la lampe. Cette chose est très confortable. Si confortable que la seule conclusion logique est que c'est une chaise de cette planète. Ce n'est pas un casse-croûte. J'ai goûté. Ça a le goût de tissu. Sans blague. Attends, je voulais juste reprendre ça. Ok, c'est passé. Ah, faut... Il faut le mettre dans le bon ordre l'un sur l'autre. Bon ça. Ton corps va, incroyable. Et quelle est la description de cet objet? Un autre machin. Ah donc à chaque fois quand je trouve un truc du niveau correspondant, je peux débloquer. Ah c'est pas mal. On dirait une version miniature du train que les oiseaux utilisent pour aller au travail. Est-ce qu'il y a des mini-oiseaux là-dedans? Est-ce qu'ils font des mini-films? Je n'ai pas le temps de m'occuper de la société des mini-oiseaux. Des oiseaux qui prennent le train? Qu'est-ce que c'est? Ah, je pense que... J'ai envie de continuer là, donc je pense que je vais faire une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, un nouveau truc. D'abord, je pense que je vais finir ça. Ah! Merci! Des tableaux! On va le faire. C'est quoi ça? What? Faille temporelle, la galerie d'art. Faille temporelle, ça ressemble beaucoup au machin rose qu'on a trouvé. Donc ce serait des... Ah, comme les comètes farceuses dans Mario Galaxy, genre des sortes de niveaux. Ah, ça serait intéressant. Ah, donc c'est que de la plateforme. Ok. Je pense que le chapeau d'astronaute deviendra particulièrement utile dans ces niveaux-là. Alors... D'ailleurs, je crois qu'il est complètement pété dans les niveaux normaux, donc j'imagine que dans un niveau de plateforme, ça déglinguera absolument tout.
C'est pas le bon chemin. Ah, faut peut-être aller dans le sens inverse. Ok. C'était effectivement ça. Des pônes, ça me va. Bah d'ailleurs, aussi, par rapport à la prononciation, est-ce que vous préférez que j'appelle ça des pônes ou des ponds ou des ponts ou des je sais pas quoi? Dites-le, je ferai une sorte de petit... de micro-sondage dans le... C'est sur le i. Comme ça, vous pourrez me dire quelle manière de le prononcer vous préférez. Dame. J'étais tombé sur le workshop, sur un mod qui changeait la musique qu'il y avait dans ces zones-là, en fait. Et je me souviens parce que sur l'icône du mod, il y avait ce type de plateforme avec cette couleur. Ouh, je voyais plus rien, j'ai cru que j'allais tomber. Hop. Hop. Oh, mais c'est un machin. Pas mal. Et donc ouais, et ça remplacé par la musique de Mario Sunshine, donc des niveaux secrets. C'était vachement marrant. Oh, Hat flair. Allez, je teste. New color. Bah du coup je prends ça. Enfin les couleurs de ta tenue. Donc je peux avoir des éléments. Ah, et en fait j'imagine que si j'en ramasse un, je peux plus faire les autres, donc c'est vraiment que je choisis. D'accord. Et donc c'est une nouvelle couleur, donc je sais que les... Ah bah d'ailleurs ça me l'a mis de base. C'est une couleur... Ouais. Oui, allez, je la garde. Non. Oui, je voulais aller tester là-bas. Voilà, qu'est-ce que c'est? Petite machine qui prend des jetons comme des cadeaux en échange. Dépenser 3 jetons pour un cadeau? Ouais. Mais j'en ai que 2. Effectivement, j'en suis rappelé à la fin. Personnellement, je pense que je vais remettre la couleur parce que le fait que les cheveux soient violets comme ça, j'aime pas trop. Je sais, j'ai d'autres couleurs qui ont... J'ai d'autres couleurs, mais ça, j'ai eu par avec des mods. Bam. Ok. Donc... elle sert à quoi cette salle en fait, à part avoir un machin dedans? Il y a une utilité à l'intérieur? Non? Absolument pas? D'accord. Eh bien, entrons ici. Battez les oiseaux. Time Rift. Ah! Ah ok, c'est dans un niveau normal, j'imagine, il m'indique où elle est. J'ai pas forcément envie de faire. Bataille des hommes, ils sont trop engagés, fragment temporel, meilleure critique. Gars, clairement pas autorisé. Quoi? Ah, je sais pas du tout à combien de temps je suis. Mais vu que les petits challenges ils sont courts, je pense que je vais faire celui qui est dans Mafia Town. Et je... Que là au moins le niveau je le connais, je vais pas forcément galérer. Je fais Mafia Ville. Ouais, Time Rift. Oui, effectivement. C'est justement ce que je veux aller faire. Quoi? Quoi, il y en a plusieurs? Ah, il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Fini. C'est pas forcément difficile à trouver. Celui-là pas du tout non plus. Et celui-là pas du tout non plus. Je vais faire celui-ci vu que c'est le premier qui était là. Ah ok, non, il m'indique juste qu'il y a à certains endroits.
Je vais peut-être le faire. J'aurais dû mettre lancer un chronomètre. J'aurais totalement dû lancer un chronomètre parce que là je sais pas du tout combien l'épisode va durer. C'est vrai qu'après bon, plus les épisodes sont longs, je sais pas si je vais faire du montage ou pas dessus. Parfois si j'ai envie de faire du montage, j'en ferai. Allez les gars. La fameuse petite musique où on rencontre Moustache Girl pour la première fois. Sauf que moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je cherche cette espèce de faille qui est quelque part. Ouais, dans le trou là-bas. Donc c'était en bas. C'est quelque part. Je peux recasser ces machins. Oh mais y'a rien dedans. Bam. C'est le chemin. Disons, je vais longer la. Je vais longer le bord et je vais bien finir par tomber dessus. Hein. Bon. Ces petits machins, je les prends. Enfin je les casse plutôt. Ici. Est-ce qu'il y est qu'il y avait l'image. Est-ce que j'aurais trouvé l'endroit où il y en avait un. Qu'est-ce que. C'est ça. Ouais. Une pelote. Génial. Hop. Toujours pas par là. Ah ok, il y a l'eau qui monte. Je savais pas que l'eau ça montait, mais bon, on va dire que dans ce monde-là, c'est normal. Une autre pelote. Il y a des pelotes partout. Ah, j'ai trouvé le machin. Bah, je vais le faire, vous savez quoi. Juste ramasser cette pelote-là. Hop, et je vais choper cette faille temporelle. Il y a quelque chose dans l'attente? Non, absolument pas. D'accord. Si je saute là-dedans... Ouais, ça a marché. Allez, je fais ça et l'épisode sera fini. Mafia des cuisiniers. Ah donc c'est pas que des trucs comme ça. Hello little child. This is Mafia Time Rift. Time Piece hit Mafia in head and now Time Rift filled with Mafia thoughts and dreams. This Time Rift is simple. Simple like Mafia. Just rules of Time Rift. If you die, you start over. You need Rift pawns to go deeper. That is all the rules. Please tread carefully in Mafia Time Rift. D'accord. On va dire que ça se tient. Ok, il faut que je ramasse le nombre correspondant. Non, je vais reprendre mon chapeau pour courir. On fait deux. Voilà. Il y en avait un. Donc en fait il n'y en a pas le nombre exact, il y en a plus. Ah, dommage parce que j'en ai raté. Je pense qu'il faut que je les ramasse tous. Raté. Bam. Aïe. Laisse-toi. Merci. Mais vu que j'en ai 5, normalement ça s'ouvre, non? Ouais, ça peut s'ouvrir. J'ai tout?
Ouais, j'ai tout. Attends, y a des ponts là. Merci. Voilà. Qu'est-ce que t'as à dire? Are kept each floor. No need to get everything. With luck, Mafia has opened entrance to next. Ah, il a déjà ouvert le. Ah, donc cet étage ne sert à rien. Ah, mais il y a ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Il parle pas, lui? Ok, il parle pas. Allons-y. Wow. Hop. Il y en a plus. Et c'est où le chemin? Ah, là-bas. Non, c'est pas là-bas. Si, il y a un tremplin là. Ah, ok. Passer sur le fil. À tous les coups, il y a un truc caché derrière. Ça se voit gros. Ah non. Ah, j'attendais tellement ce qu'il y a un truc. Je peux pas lancer avec ces canons. Hop. Hop là. Allez, avant-dernier. Aïe! Eh, ça fait pas mal en fait. Ça fait pas mal, mais ça. C'est juste chiant. Ok, c'est fait. Là. Et le chemin est là. Casse-toi. Hop! Et c'est la fin. Bam! Et ça fait le troisième de l'épisode. Hop! C'est un bon épisode. Hein. Ok, j'ai obtenu une photo. Alors. Hat Flair. Non, j'ai pas envie d'avoir ça. Un remix. Bon, ça ne m'intéresse pas. Hat Flair. Bon, bah, je suis obligé de prendre ça. Ah, je peux changer l'apparence du chapeau. Donc j'aurai un chapeau avec un nœud dessus. D'accord. Je ne vois pas trop quelle est l'utilité d'avoir ce... D'avoir juste un petit nœud, mais ça me va. Ouais, je retourne bien dessus. Ah oui, évidemment. Je débloque ce nouveau niveau. Ah oui, du coup, maintenant j'ai un nœud. J'ai un petit nœud là-dessus. Et comment je change l'apparence ? Ouais, ça, il reste juste normalement. Je pense que je vais laisser le petit nœud. Ouais, je laisse le petit nœud. Je vais savoir, est-ce que je peux rebondir là-dessus? Trop bien. Et ça, je fais quoi si j'atterris dessus? Ok, je peux traverser totalement le truc. Ce n'est pas grave. Je monte là-dessus. Je ne vais pas regarder ce qu'il y a à côté, hein, histoire de pas totalement... de pas me spoiler. J'espère que la vidéo t'aura plu. Qu'est-ce qui t'étonne? Rien du tout? Ok. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire, ou tout ce que tu veux. Moi je vais te dire salut, et à dans le prochain épisode que je vais tourner instantanément juste après avoir enregistré celui-ci. Allez, ciao!